Bonjour, je suis Jordan Miron, le fondateur de la société Resilient Innovation. Resilient Innovation, c'est une société qui a pour but d'améliorer l'autonomie des personnes en améliorant leur performance de marche. Suite à un constat personnel d'un proche qui a perdu sa capacité motrice pendant une période temporaire, j'ai pris conscience de ce que représentaient ces problèmes-là. Face à ce constat, on a développé une solution pour aider les personnes qui sont en perte d'autonomie. La méthode qu'on utilise s'appelle la stimulation auditive et rythmique. Ça consiste à envoyer un son rythmé à intervalles réguliers à une personne pour qu'elle puisse synchroniser ses mouvements sur cette stimulation. C'est un petit boîtier électronique qui va analyser en temps réel les mouvements de l'utilisateur et qui va automatiquement, en fonction de ses mouvements, envoyer ou non une stimulation auditive rythmique. L'écouteur n'est pas un écouteur classique, c'est un écouteur à conduction osseuse. Ce qui veut dire qu'on va venir positionner une membrane au niveau de l'os, ici de la mâchoire, et la vibration de la membrane va passer par l'os et faire entendre le son à l'intérieur de l'oreille. On a été accompagné par la Caisse d'épargne dès la création de la société. Et depuis peu, on a été labellisé Néo Startup avec le label Néo Business, qui nous accompagne dans tout ce qui est partenariat aussi. Ce produit, il est utilisé aujourd'hui sur le terrain par une centaine d'utilisateurs particuliers, mais aussi par une trentaine de professionnels. Alors géographiquement, on a démarré, c'était très local. Et là, aujourd'hui, on commence avec quelques utilisateurs en Europe. On travaille justement sur d'autres versions qui vont être spécialisées vraiment sur une pathologie, Parkinson en particulier, donc avec des essais cliniques, une validation et la possibilité d'être prescrit par des médecins et des neurologues.